ginembe men nong wata goto hulu wata goto kadi hulu darana gol dum wata denjo haifus, watagoto wata denjo haifus, fous ko bandi ko on fami voilà c'est des bandits. euh voilà euh, actuellement euh partager hegna euh, andine lansi le son est bon voilà commentaire diré nonébi quoi c'est ça le problème voilà maintenant euh, n'oubliez pas euh, les cœurs aussi cœur voilà. 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 Euh, les gens commencent à se réveiller. Les gens commencent à se réveiller. On sent que les Guinéens commencent à se réveiller. Voilà. Parce que euh, voilà, le son est bon. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Abdul euh, Abdul euh, Abdul Haji Diallo. Abdul. Abdullah Diallo, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Allez, euh, Guinée, les Guinéens commencent à se réveiller. C'est ça. Il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens se réveillent. Vous avez vu, Alpha Condé, il a amené des gens. Je ne dirais même pas que c'est des Guinéens. À Concitel. Hein? Vous avez vu le désordre qu'ils ont semé là-bas. Hein? Tout le monde a vu le désordre qu'ils ont semé là-bas. Hein? Fafaya, bonjour. C'est-à-dire, euh, euh, faux désordre, Mon alpha Konde, euh, euh, hein? Ousmane Diallo. Merci. Donc, euh, voilà quoi. Donc, euh, on est euh, actuellement, actuellement, on a un on a on a on on on

alpha konde imminii himɓe ko yaha wara jama futa on ina hina go, goɗɗumgo parce que hay goto immina be do den kunsiten na alpha konde parce que sécurité gendarme no wodi policier no wodi be immi ke be traversi hot guinée fop be yehi ha ɓe meimoyi fuuta personne lesa inquété en fop iɗen andi en fop koye guineen enfoppi iɗen andi koeguine iiɗenwoni libre yawgol kalako falde mm. mais kono hinaye ore hoore au régime ɗo wattee yewtindir fenande ko fi hon ɗum yimɓe ɓen no inna ko e in guineen onna le droit de voyager partout en guinné st archi fo kere hay président man on président élu légitimement kere o interdise ka natugol hot guine fi waɗugol campagne électorale ko anndanda hore mani c' est un droit ko pourquoi les gens aiment les mensonges pourquoi yimɓe ɓen no huli reedu

est ce que den si tawi hauri na laamu ngun immini ɓe ina kamɓe wonɓe o e hoore au régime ɗo si tawi na kamɓe imminiɓe est ce que ɗo sikkude ɗumɗoɗen nowaawi feƴƴude gendarme no jodi. police no jooɗi citoyen eh? on fop no jooɗi hay gooto suusata eƴƴude jamaa consitelo jama gawal on fof no jodi. ko honnu wadi si tawi hauri no no adi no jodi. hawri ɓeɗoɗennoainojoɗie no wadde ko fala. autorité on no jodi ɓe Ko fi fihonɗu ahn huh? kofi honudum inafi inafi kokambe imini be jooni onono jooni himbe no imi c-e-f-d imike mody sori imike inii wondema que ma que ma, ma darta no den pour les droits humains and guinee mido nande bibe worbe bibe worbe de wiiti be ko bibe worbe you no know, joodi no inna wondema kaŋum. wanayo himbe ɓen immo wowla ko woni duwakon ko réseau sociau min mi annda henen ko en façu yimɓe honɗum himɓe ɓen no immi no yewde ko modon ino sunnu de mon ɗin ino dari no yetti mi innuma no darodi e dari be wadda ko be faala onon on woni wadde ginaɗonoɓekon hiɓe wiide onnon leydi ndin fof ko hawtaandi onon iɗon ƴetti ɗumon kadi ri pasue kadi sifa modi sori ko ɗum woni walafi hiɗon heɓi sifa modi sori ko immo kadi daro inna gilandema ɗo enen kadi organiseo ɗen darto ɗen fi en hettu ndimankaku menngun e nder leydi ndin joni onon don dari min miɗon nanude ɓiɓɓe mi, worɓe yaaɓe lagine futa jalo no darade inna ma yo jama on subu ko wowla yo jama on ɗum annonii wata jama on natu ko réseau sociauwowlakon min ko mi intrdiseta ɗoɗn o omi intrisata ɗo réseau soiau accu

Hinano ko ender lagin fop ko wone fekyo de ko lady menkon, ko one effeky de fondu konsidel kon hai no kutundu afek. C'est pas normal. Se pa normal. Epi hai go to yi mina be sina sina regime alpha konde. Ko alpha konde iminibe. Ibe wadde n'importo qua. Ko befala, bewone wade. Joni enengimbe jodi mi inuma, inu houli, hino holi hai wigol, fa be meng. hino huli hay wigol immoɗen enen kadi wakkiloɗen ɓeyɗoɗen wata ɓe ware een fof wata ɓe mulwan si mi yi ɓiɗɗo gorko no winna no huli hakkundee allah wigol wondema immoɗen darto ɗen pour no droit insi tawi surtot no wonirɓe leyɗo oxidan ɓen ko ɓen ɓurlam mettude o min wonir ɓe oxidan ok si ɓe hakkunde n alla sina min hannde si mi noddama simi noddama bruxelles hara mi nodda bruxelles hara ko justice on so noddilal fi mi miɗo inni wondema miɗo sooday kartal seifde fi data no gol min no minnuma les droits humains en guinée si mi yara avec plaisir ko avec plaisir mi yata simi yahi mi darike kadi yeso justice on so, mi wolannayɓe ko hejata e noppi heƴatanppimaɓɓe mi hole naibe kohige ta no pima mais j'ai pas peur de cela j'irai avec plaisir parce que kohondu hara mi hole lidong kodi manka kou mi hole je suis être humain mi mi noa yodar de noa ambe no rede himbe ambe noa sokede himbe ambe no noa ibineede goɗɗo no votana himmo lammina hiɓe jatti pouvoir on min mi jooɗoɗo ɗe min mi inna ɓiɗo huli wiigol non il faut qomin organise o ilfau mi nai mi yaltu mi inna mi sooday carta cfd ma mi yaltu mi inna wondema min luttay contre les droits umén an guine min pasque goɗɗum duwaka wowlede ko réseau sociaux que komi komi mi 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 kadi pasque yimɓeɓenaynomiɗo kadi

ko honno jama on wallirta en parsque jama on ino andi ko ma walla en ko wona ɗen waɗede kon kala waɗaaɗo ɗum ɗo e nder aduna on o holliti o wuttii faabo o organiseke ɓe woni hunde wotere aduna on wallayɓe mais si tawi onoon ardinaali kin hakkil ɗon ardinɓehakki in jeɓeajeardinɓehaɓe ɗum hewta wiigol ondema ko ma hono wiyantela ni yaha ekkol ko mi inni on goɗɗo goɗɗo wata wulo maide han ronka dartanagol dimankaku mumum hina ɗum ɗo ɗe woni onna wiyantelanni uh, Ah, okay. Voilà. Euh, celui, qui, celui qui insulte ici, il sera tout simplement bloqué. Il n'aura plus l'occasion ici de, 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 de s'exprimer ici. Ça, je vous le dis. Celui qui insulte, il sera bloqué tout court. Voilà. Parce que nous, nous ça dit, c est, c est, si ça ne t'intéresse pas, ce que moi je dis sur ma page, tu n'es pas obligé d'écouter. Parce que tu n'es pas obligé de, de, de cliquer pour, pour rentrer dans la page et écouter ce que moi je dis. Tout simplement, si ça ne t'intéresse pas, tu dois partir. Tu dois partir. Hein? Ça ne t'intéresse pas ce que j'ai dit, mais vas-y. Moi, je ne dis pas quelque chose ici de mauvais. Moi, je dis, j'interdis les injures. J'interdis les injures. Moi, c'est tout ce que j'interdis dans les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, le fait que la Guinée est en train de s'organiser, comme par exemple le cas du CIFD, pour vraiment contraindre, pour défendre les droits humains en Guinée, moi je, moi je dis, moi je soutiens ces mouvements-là. Je le soutiens. Pourquoi Parce que vraiment, vous, tout le monde voit ce qui se passe. Aujourd'hui, à Conakry, c'est le régime d'Alpha Condé qui a envoyé des gens armés. Je dis des gens armés pour détruire, pour déstabiliser le village, pour maîtriser le village, pour faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, hier, ça s'est passé. Ils ont, ils ont semé la pagaille, ils ont brûlé des maisons. Et en plus, la gendarmerie était là, la police était là, personne n'a intervenu. Personne n'a intervenu. Maintenant, si vous ne voulez pas maintenant que des hommes s'organisent vraiment pour leur dignité, hein, pour, pour, pour vraiment euh, protéger, pour, pour, pour se faire respecter, pour, parce que le pays appartient à tous les Guinéens. Le pays n'appartient pas au RPG arc-en-ciel. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Les gens oublient qu'ils ont pris le pouvoir, ils, ont, ils se sont emparés du pouvoir du, monsieur, le, du président de la République, euh, Elassel Dalendiallo. Les gens oublient cela. Alpha Condé et son clan, ils ne sont pas élus légitimement. Et maintenant, ils sont là, ils disent eux, ils sont là pour le peuple. Non, vous n'êtes pas là pour le peuple. Vous avez pris le pays en otage, c'est pour cela que vous dites que vous êtes là pour le peuple. Sinon, vous na, -dire, vous, vous, vous allez, il ne il fallait, fallait pas interdire les manifestations. Il ne fallait pas faire sortir l'armée dans la rue. Si vous êtes là pour le peuple, si le peuple vraiment vous protège, si le peuple vous aime, il faut faire rentrer les militaires dans la caserne. On saura maintenant si vraiment c'est le, si le, le peuple que vous a laissé ici. Il y a des militaires, mais il faut que la caserne. ɓe wonɓe yaltude ɗoen comunique innaondeaoo ufdg petit clan i iomilitareehtuaeriai ufdgpeuple de guiné huh? si tawi ko peuple de ginéo woni falaka ne o ufdgnifa o militaireaer ailaaɓay si tawi kadi hawri alpha konde ko n président de la république watta o suuɗo ko vacancejimakooa Yo, yo Italy, Italie, madung Allemagne, madung Suisse. Ko yehi woko yehi gine Yo, yo eu hara osudaka ko yaltita ouya. Caracoo yalti de Europe, endele occident. No, caracoo yalti dok an non clon dey. jam'a Haïsiko himpe yo sapohebi, hebi yo be yaltu be denonsamo. Haïsiko himpe sab pohebi yo be yaltu Parce que c'est pas normal comme on est venu C'est pas normal. Partagez tout le monde. On live. Euh, s'il vous plaît euh, partagez moi ça voilà donc euh, 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 comment dirais je euh mi la juti de live hein mi la de live hariko il faut no que himbe ben kurta mobilisagol jamaa fou ikefinou de il faut non himbe ben kurta kadi mobilisagol hmm fi vraiment yaltingol o do den sécurité parce que au méritant wongol sécurité lady mending

innenwondema en jokkay sutene fenande haɗanonyiɗen faala yimɓe ɓe respectelji ɗin hjɗremaniarement ministériel alpa konde mo faala waɗude on remanirement ministériel mo alpa de fala waɗde on ɗum koy ministre ɓe faalaa waɗde ɓen koy man woni parceque alpa konde les ministre qu'iveulchanger a Les ministres qu'ils veulent enlever là, ce sont ces ministres là qui l'ont aidé à s'emparer du pouvoir. Ce sont ces ministres là qui, sont, qui ont montré leur malhonnêteté jusqu'au dernier degré. C'est pour cela Alpha Condé aujourd'hui il est en train de forcer un troisième mandat que les Guinéens, le peuple de Guinée n'a pas accepté. Et maintenant il veut maintenant changer ces ministres là. Si ces ministres là, si moi j'étais parmi ces ministres là, je n'aurais pas accepté qu'on me change. Pourquoi Parce que je n'ai pas lutté, je n'ai pas montré mon malhonnêteté, je n'ai pas montré vraiment euh, 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 tout ce que j'ai fait, je n'ai pas fait un combat de mensonge, un combat de malhonnêteté pour arriver maintenant à avoir l'objectif et pour qu'on me change, pour qu'on me, qu me dise maintenant je suis malhonnête. C'est parce, parce que je suis malhonnête, c'est pour, pour cela qu'on m'enlève. On envoie en maintenant une personne honnête à ma place. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Moi, s'ils étaient ministre aujourd'hui d'Alpha Condé, je n'allais pas accepter qu'on me songe. Et si, et si lui, il essaye de le faire, je vais lui montrer que c'est lui le premier malhonnête du pays. Parce que tous les ministres savent que personne ne devrait soutenir le troisième mandat en Guinée. Personne. Si aujourd'hui la Guinée est dans cette position-là, dans cette situation-là, c'est parce que vous, vous avez accompagné Alpha Condé. Vous, les ministres qu'ils veulent changer aujourd'hui. Si maintenant, vous, vous par, votre, par, par votre malhonnêteté aujourd'hui, la Guinée est dans cette situation, maintenant, ils vont, ils, vont vous ils, ils, vont, ils vont vous destituer encore, ils vont vous limoger pour amener d'autres personnes qui sont plus honnêtes que vous. Est-ce que vous avez réfléchi Est-ce que vous avez réfléchi Donc maintenant, c'est pour cela que je dis, l'heure a sonné pour que ce monsieur quitte à Secouteuria. L'heure a sonné pour que tous les Guinéens qui ne se sont pas encore levés pour ce combat-là noble, c'est l'heure maintenant pour qu'ils se lèvent et que nous tous nous, nous donnons la main. Toutes les organisations aujourd'hui sont légitimes en Guinée pour destituer Alpha Condé. Tout ce qui est pour destituer Alpha Condé, c'est légitime. Parce qu'ils nous ont pris en otage. Et nous ne devons pas aller en rang dispersé. Nous devons tous nous, nous unir. Avoir une force pour pouvoir destituer Alpha Condé. Pour pouvoir limoger, lui sasser de ses couturiers. C'est ça la vérité. Les Guinéens doivent faire cette prise de conscience. Les Guinéens doivent faire cette prise de conscience. Aujourd'hui. Je parle de la Guinée, mais je vous dis c'est l'Afrique entière qui fait pitié, c'est l'Afrique en général qui fait pitié, parce que les pays même, même les pays qu'on dit là où les, pays, les voisins où on dit ça va, même là bas ça ne va pas. Quand on dit, on ne peut pas comparaître. Euh, on ne peut pas comparer euh, la Guinée et le Sénégal, parce que ça n'a pas de sens de le comparer. Pourquoi? Parce que le Sénégal est plus développé mille fois que la Guinée la Côte d'Ivoire est plus développée mille fois que la Guinée. Même si on a aujourd'hui quelqu'un qui a pris la, le, la Guinée en otage, qui s'appelle Alpha Condé, et qui nous dit en deux ans, la Guinée sera vraiment euh, le doyen de l'Afrique de l'Ouest, hein, derrière euh, le Nigeria. Ça, il faut être vraiment con pour l'admettre, pour, 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 pour l'accepter. Mais heureusement, il y a des Guinéens vraiment qui se sont réveillés et qui savent que c'est des mensonges et qui savent que vraiment, il n'a pas le droit de rester là-bas. C'est pour cela on dit, ce combat-là, nous allons aller jusqu'au bout. Nous remercions encore une fois le président élu légitimement de la Guinée, M. Selou Diallo. Nous le remercions pour avoir vraiment continué le combat, pour tenir bon. Hein, vraiment, euh, big respect au président élu légitimement. Parce que vraiment... Aujourd'hui, si on enlève El dans, euh, comment Dalen en Guinée, si aujourd'hui El Dalen Diallo accepte ce que Alpha Condé veut, ça veut dire que la Guinée n'aura plus un État démocrate oublié. Si El Dalen n'est pas instauré à Sekou Touréa, il n'y aura plus de démocratie en Guinée. Il faut que les Guinéens sachent cela. Si nous allons parler de démocratie en Guinée, il faut que Elassé Doudalen Diallo arrive à ses parce qu'il a été élu légitimement donc vous qui n'acceptez pas cela vous qui ne voulez pas comprendre cela il faut que vous sachiez que nous ne sommes pas des aveugles nous ne sommes pas des bêtes nous sommes des citoyens guinéens nous aimons notre nation nous n'allons pas trahir la Guinée et la personne qui a été volée la personne là Va être instauré à Sécouturea. La personne-là va être instaurée parce que c'est lui qui a été élu légitimement. Donc il faut que les Guinéens sachent cela. Vous qui n'acceptez pas ça, ça veut dire que vous n'acceptez pas la démocratie. L'alternance, c'est les Guinéens qui ont voulu cela. L'alternance, ça veut dire la continuité de la démocratie. Si auparavant nous avons eu des présidents qui ont fait 20 et quelques années, Maintenant, c'est fini. Alpha Condé, lui-même, il a juré de respecter cela. Et si aujourd'hui, il ne veut pas respecter cela, c'est son problème. Mais les Guinéens conscients ne vont pas accepter le contraire. Donc, je vous dis que le combat continue. Le combat continue euh, jusqu'à que le président élu soit instauré à Touréa. jusqu'à ce que le président élu, je dis, légitimement soit instauré. Sinon, il n'y aura plus de démocratie en Guinée. Donc, comme que nous voulons la démocratie, nous voulons la paix chez nous, il faut que la vérité soit euh, vraiment rétablie en Guinée. Nous ne pouvons pas continuer dans le mensonge. Le contraire, c'est continuer dans le mensonge. Vous comprenez Manipuler les Guinéens. Aujourd'hui, les, tous les ministres qui vont être appelés, tous les ministres, je dis, le remaniement ministériel qu'ils vont préparer, tous les ministres qui vont venir, ce seront encore des ministres malhonnêtes aussi. Malhonnêtes, je dis. Maintenant, les malhonnêtes déjà qu'on a là-bas à Sekutura, les malhonnêtes déjà qu'on a là-bas, il faut que ces malhonnêtes-là déjà refusent cela. Il faut que ces malhonnêtes-là refusent déjà cela. Parce que moi, je ne peux pas être si malhonnête, encourager un troisième mandat. C'est que la constitution guinéenne a refusé, c'est que la constitution a interdit, c'est que tous les Guinéens ont dit non. Moi, en tant que ministre, j'encourage cela, je vais jusqu'au bout et maintenant on veut m'enlever, maintenant me limoser pour envoyer un autre. Mais en ce moment, moi, je suis quoi, moi Le premier malhonnête, d'abord, c'est la personne à qui vous avez soutenu. Jusqu'à il a pris la victoire d'une autre personne. Ça, c'est la première personne malhonnête, d'abord. S'il faut changer d'abord, c'est lui, Alpha Condé C'est lui d'abord, il faut enlever. Donc voilà, il n'y a pas de. Il y a pas de a, Il n'y a pas de aller à gauche ou à droite. Les choses sont claires. Ici, il faut qu'Alpha Condé quitte à Sécouturia pour que, les, pour que la, les choses commencent à fonctionner. Parce que tous ceux qui sont avec lui sont des malhonnêtes. Donc lui aujourd'hui, où il va prendre des gens honnêtes dans le pays Où parce que les gens qu'ils vont prendre encore pour amener, pour aller dire qu'ils vont aller travailler le pays, ce sont des malhonnêtes aussi. Parce que c'est des gens déjà qui sont contre lui au départ, qui avaient dit non. C'est des gens qui avaient dit non. Donc aujourd'hui, mes nazis, les gens la disent oui, c'est par leur propre intérêt personnel. C'est pas pour la nation guinéenne. Donc mes chers frères, il ne faut pas qu'on se fatigue, parce que Dire le contraire de ce que je viens de dire ici, c'est de retarder la Guinée. C'est de faire traîner la Guinée. Aujourd'hui, si nous ne reconnaissons, s'il y a un Guinéen qui ne reconnaît pas que Elasselou Dalendialo a été élu légitimement et que c'est lui qui doit être à Sécouturea, s'il y, y a des Guinéens qui ne reconnaissent pas cela, ce sont ces Guinéens-là qui veulent nous mettre en retard. Parce que c'est évident que le monde entier sait que Elasselou Diallo a gagné les élections et ici le combat devrait être un. Maintenant, ceux qui étaient à l'opposition qui avaient dit qu'ils ne vont pas participer aux élections et que vraiment ils ont vu le euh, comment dirais-je Ils ont vu que en fin de compte celui qui, a, celui qui est parti se présenter et là celui dernier a gagné les élections. Là maintenant, il faut maintenant vraiment se ressaisir, il faut vraiment mettre la Guinée au-dessus de tout et savoir que vraiment Soutenir Elassé Diallo, c'est aimer d'abord son propre pays. Parce que je préfère, je préfère soutenir Dalen que de soutenir Alpha Condé et son clan. Parce que soutenir Alpha Condé et son clan, ça veut dire quoi C'est de détruire la démocratie en Guinée. Soutenir Alpha Condé et son régime, c'est de dire il n'y a plus de démocratie en Guinée. Maintenant c'est la dictature. C'est ça. En ce moment moi je soutiens la dictature. Mais si nous voulons soutenir la démocratie, il faut l'alternance, il faut la personne élue légitimement. C'est Elasselou Dalendiallo. Donc, mes chers frères, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Allons-y en, en vérité. Hein? Une fois dans l'histoire, parce que sinon, c'est fini pour la démocratie en Guinée. Parce que si Elasselou Dalendiallo est éliminé, il n'y aura plus de démocratie en Guinée. Il n'y aura. Peut-être euh, un royaume. Parce que ce sera un royaume. Hein? Ça sera un royaume. Donc réveillez-vous. Soyons unis. Arrêtons vraiment des, les, surtout les injures. Voilà. Je demande, moi, j'appelle à tous les grands combattants de l'alternance. Parce que moi, j'appelle tout ça. Des combattants de l'alternance, que ce soit du CIFD, que ce soit de l'UFDG, que ce soit des euh, comment dire, des organismes euh, comment de la société civile, euh, FNDC, tout ça, tout ça c'est des combattants de l'alternance. Parce que tout c'est pour le même combat. Ici, l'ennemi, c'est un, c'est Alpha Condé et son clan. Parce que nous, nous voulons seulement la paix, nous voulons instaurer la justice en Guinée, la sécurité, avec la personne que le peuple a élue, c'est tout. Personne ne veut la guerre. Personne ne veut la guerre. L'ANAD. Merci beaucoup, Bas. Voilà. L'ANAD, l'UFDG et l'ANAD... Ça, c'est comme... L'INAD, pardon, l'INAD maintenant. Maintenant, c'est l'INAD, ce n'est plus l'ANAD. Maintenant, c'est ça. C'est eux qui ont été élus, légitimement. Donc, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Donc, nous allons commencer par là et puis c'est fini. voilà donc mi yiltito seeɗa ɗo mi waynitade e fi himɓe meɗen ɓe annaɗa hoore mani feewɗo ɗoɗen ni hino huli ewowlugol fii ko wona ɗen waɗede kon hay hiɗen piyede hiɗen yennede hiɗen sokede hiɗen aybinede hiɓe holluden njaggu koko village ji men tigi joni enen wigolen yimmoto dartoɗen organise ɗen dartoɗen ɗumɗonɗen so den kartal fii ye waaw dartagol ɗum ɗon umonɗen joni woɗi yimɓe meɗen hulɓe wolugoluo haray ko teddugal teddugale moɗon ko yon andu ko il faut lluannda horema d'aabord hore si wawa wolirgol wa non sa anda horema wata wolde ɗumonparc que que ɗum ɗo ɗen ewnuleon

volà ina fii fi immini in ɓe hinaa fi, in fi uh, wigol wondemakko -soda soda, soda, soda soda pinka hina ɗum immini ɓe modi sori ko imminibe. ko kala ko waawete waɗeede fi yo droits umain respecte nde lagine ko waɗe ko ɗum immini modi sori modi sori non nela gootoyo yennugoo hay gooto goy ko ɗum waɗi simi inni ko ɗum ɗon tunmi toganta ko mi kmiɗo wattode ton an hoorean goto yaltu yenna fi jom goto yaltu yenna mono jogi pas kala won do ton ɗen yennuɗo éliminémo blokué mo lanni kono wata goto jaɓu yennindiro c'est pas normal modi sori est en train de ko ko be wadi do etensdi koɓe waɗiɗokon o fopinoɓlanade en weltanade hiɗenɓelanade huh? donc haray min ko dum do mi mi fala ɓe nela hay goto yo yennu ko ɓe inninon kala ko wadete fi yo ndimankako ngun hetto e nder lagine ɗum ɗonwaɗete wadete ɗon waɗete wadete timmay tiskati voilà wata goto hulu wolugol ɗum ko ndimankako le respect pour le respect des droits humains